une deuxième partie espace temporel. Mélange normal. Je coupe. Bon. Je remélange un petit peu pour être sûr de, que ça ne triche pas. Hop. Bon, je recoupe pour être sûr. Vraiment que. Vraiment. Maintenant, genre, je choisis des cartes. Alors, par exemple, je vais prendre celle-là. Non. Voilà. Écoute, je sais pas, t'en prends une. On rejoue en trilogie du 4-1. Alors, je vais prendre je sais pas, celle-là. Non, je prends celle d'à côté. Non, je prends celle d'avant. C'est rien. Bon, je prends celle-là. Donc, voilà, pour être sûr de ne pas tricher, qu'il n'y ait pas d'arnaque là. Je remélange, parce que sinon, on ne comprend rien. Comme ça, voilà, tu prends une autre carte au hasard. Laquelle tu prends. Si je prends celle-là, je prends celle-là ou celle-là. Donc je prends celle-là. Voilà. Là, je recoupe, je remélange. Je coupe. Alors, la quatrième, la troisième carte, non, attends. Mais attends, 1, 2, 3, non. Il faut la question subsidiaire. Il faut la réponse à la question. Bon, tu remélanges pour être sûr, comme ça il n'y a pas d'arnaque. Putain, mon con la télé, fils de pute là. Michel Sim, c'est rigolo. Alors ça c'est la réponse à la question. Et là, pour être sûr, tu recoupes. Et là, tu auras la question subsidiaire. Et tu joues en 4-1, comme ça. Après, il y a l'histoire si tu les prends dans le sens qui sont là ou dans le sens inverse. Ça ne veut pas dire pareil dans l'ordre. Ça veut pas dire pareil. Ouais, Michel Sim, quand ils sont au restaurant, là, ils mangent dans le noir. Tu vois. Regarde-moi bien, là. L'enculé. Oui, alors non. L'autre, il dit c'est des crevettes, c'est des crevettes. Et l'autre, il dit ah ben non, c'est des gambas. Mais arrêtez de me prendre pour un con, j'ai 10 ans de café de Turin. C'est le nom espagnol de la crevette, là, Gambas. Là. Ça ne veut pas dire une grosse crevette du tout. C'est son nom. Je me suis dit, ah non, c'était pas des oursins, c'était des Paracentrotus lividus. Ou alors tu dis, non, non, c'était pas du tout de la langouste, c'était de l'aragoste cubanais. Cubane. Arrête de me prendre pour un con. Hein. C'est comme, tu sais, les routes de l'impossible, quoi. Putain, et alors là, le 4x4 va redémarrer. Impossible, la batterie est mal fixée. Mais prenez-moi pour un con, j'ai 10 ans de mécanique aussi. Et ça va, ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors. Bon, la première carte. Oh, c'est un 8 d'atout. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Il y a la femme au piano, il y a le mec, il est là, il dit toi, 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 il y a les bonnes femmes, ça a l'air d'aller. Si tu le mets dans l'autre sens, ça va, il y a un mari, un maman, un bébé, une petite fille. Mets dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens, on ne sait pas. Oh! Oh, c'est un 2 de pique. Ça veut dire que les gens sont attaqués. Par la mauvaise foi, tu vois, un truc comme ça. Le pic, c'est le mensonge, la corruption, tout ça. Heureusement, c'est qu'un 2 contre un 8. Oh, oui, mais alors là, il y a la dame de pique. Alors là, c'est L'Oréal. C'est bête, mais c'est en cours. Oui, bon, d'accord. Le pognon, le mal, le pognon. Le haut de la croix, c'est le cœur et le carreau. Le droit et le cœur. Hein. Et en bas, c'est le trèfle et le pic. C'est l'argent et puis le mensonge et la corruption. À la question subsidiaire. Oh ! Et non, 11e jour, il leur dit. Non, nous avons le 11. Donc, le 8 et le 11 sur le 2. Et le dame de pic. Bon, j'interprète après. Moi, j'étais pas interprète, j'étais interprète. Multireligionnel, multisurpape. Tu comprends, tu chauffes. Alors, à la question archi-subsidiaire, qu'est-ce que nous avons?
Un roi de trèfle. Oh là là, on est foutu. Ça veut dire que c'est les femmes qui mentent. C'est les mecs qui ont le pognon. Et en fait, c'est le bas de la croix qui n'est pas du tout en haut, qui reste en bas. Tu mets au point A, tu meurs au point B. L'abscisse, je ne sais pas pourquoi. Laboratoire 6. L'autre, c'est l'ordonnée. Mais c'est pas des trucs de franc-maçon, hein. C'est pas les ordres. Hein. Comme Escrozzi, là, chevalier de la rôtissoire. L'ordre des chevaliers des rôtisseurs. Oui, alors j'aimais mieux la partie d'avant. Ça, il n'y a plus que le 8 et le 11. C'est pas parce que le prochain vendredi 13, c'est très bientôt, qu'il faut pas faire attention. Tu vois, moi je raconte pas de conneries. Bizarre votre truc. C'est la seule caméra qui marche, je suis désolé.